Tous les mercredis, les colocs vous invitent dans leur studio. Leur studio. Avec Ginger. En direct sur Radio VL. On est ensemble pendant encore deux petites minutes et on va en profiter de ces deux petites minutes pour sortir un petit dossier sur toi, Stéphanie, tant qu'à faire. Et ça, c'est Alexia qui l'a trouvé. Elle est allée chercher dans ses tiroirs et dans son ami Miko aussi, je pense. J'ai fouiné un petit peu. Voilà. C'est un peu bizarre ce que tu as dit. C'est très bizarre. Je pensais pas que t'allais la fouiner dans son ami Miko. Voilà. Moi, j'ai rien fouillé du tout, on se calme. J'entends déjà le rire de Miko là. Je suis désolée. Voilà. Donc, on m'a balancé un dossier. Je sais pas, il est arrivé comme ça. Ouais. Il paraît que t'aimes bien chanter. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, il paraît que t'aimes bien chanter. Il paraît que t'aimes bien chanter des chansons ringardes. Mmh. Hein. Bon. Bah, j'ai l'impression que tout ce que je dis et tout ce que je fais finalement est assez ringard. Oh. Mais nous, on aime ça, les trucs ringards. Et on va s'écouter un petit truc. Je pense qu'on a ça en, on a ça en boîte. C'est terrible. C'est un crime contre la chanson et contre les oreilles. Vas-y Stéphanie, donne-tu. Non mais en plus, pourquoi je chantais avec cette voix de Véronique Sanson ratée? Parce génial. Que tu étais premier degré de ouf. Et il faut quand même, pour ma défense, on faisait ça le matin, en direct. On prenait l'antenne à 7h, on ouvrait à 7h comme ça. On était se réveiller, j'avais une perruque énorme, c'était n'importe quoi. C'est génial. Autre dossier, 7h du matin, tu ne faisais pas que chanter, il paraît que tu mangeais du fromage et que c'était une vraie tanasse pour tout le monde. C'est vrai, alors on t'a bien renseigné sur le dossier. Et c'est vrai que le matin, mais j'ai gardé ça encore avec l'équipe du Réveil Chéri, quand on finit l'émission, on se fait des petits déj, mais pas du tout croissant, pas au chocolat. On n'est plus sur des ambiances de pâté avec du pain, quoi. On est dans le terroir. Et alors, comme t'aimes bien chanter, est-ce qu'on peut... J'aime beaucoup Stéphanie Zoir qui chante la Rousseau, ouais. est-ce qu'on peut arrêter ou pas? Juste comme ça. Merci. C'est un très bel arrêt, je trouve. On va finir cette émission en te mettant bien en valeur et en mettant tes talents en valeur, surtout. Exactement. Qu'est-ce que ça va être? Du Christophe Maé, peut-être? Et bien, exactement. Parce que j'ai cru comprendre que tu aimais chanter la météo sur Réveil Chéri. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et bien, écoute, je t'ai écrit une petite météo. C'est est-ce cool. que tu peux nous faire sur On s'attache de Christophe Maé? Alors, attendez, il faut que je me rappelle les... Ouais, alors donc demain, il faut me donner le ton là du début, les filles. Oula, donc, okay, est-ce qu'on peut lui donner la note, s'il vous plaît? Tu peux nous mettre On s'attache demain, en fond. Il va faire mauvais. Tant sur toute la région, je suis pas du tout dans le rythme. Ok, comme pour les jours suivants, la température va rester partout en dessous des 15 degrés. C'est un carnage, est-ce que j'ai le droit d'arrêter? Tu peux arrêter. C'est trop cool. Je pense que Christophe Maé t'a demandé de faire ses premières parties. Merci beaucoup. Tu sais que finalement je l'ai rencontré et le pauvre il n'a pas du tout compris. Hein. Et ben voilà, malheureusement c'est déjà fini. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueillie dans votre colloque. C'était rapide mais c'était trop cool. T'es la bienvenue quand tu veux, il n'y a aucun problème. La porte est ouverte, t'as bien vu, il n'y a qu'à sonner. Tu connais l'adresse, t'as notre numéro de téléphone, il n'y a pas de problème.